Frère Maxime, aux amis YouTube, moi, saluez-nous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme je te promets, nous, que ma venue ensemble avec une vidéo pour nous, pour me capable d'expliquer, nous, qui est-ce qui cet esprit qui devant tout nous. Dans Jean chapitre 1er verset 4, Jean parlait de cet esprit qui devant tout. Cet esprit ça yo, chers amis, nous souhaitons nous suivre vidéo avec attention. La Bible lui-même lui parle expliquer nous qui est qui cet esprit ça yo. Parce que la Bible lui explique tête. Jean, aux sept églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet esprit qui sont devant son trône. En Apocalypse, chapitre 5, chers amis, nous voyons, Jean lui-même le dit, nous mettons vieillard, nous voyons agneau, qui t'en couvrons agneau, qui était immolé. Et nous connaissons dans la Bible, Jésus-Christ est représenté comme étant l'agneau de Dieu. C'est Jésus-Christ même qui représentait l'agneau, ça, qui était un coup immolé, qui trouvait lui dans le trône bon Dieu, hein? Qui est digne pour ouvrir le livre, ça. Eh bien, dans le verset 6, ça lui montre encore que l'agneau, ça, il y a 7 cornes et il y a 7 yeux. J'ai montré nous que 7 yeux ça yo, c'est 7 esprits de Dieu. C'est le même sujet ça que nous avons débattu aujourd'hui. 7 esprits, qui est-ce que la Bible parle de 7 esprits ça yo? Qui est-ce la Bible dit nous que yo? Nous ne pouvons aller dans aucun autre livre encore. Seulement la Bible lui-même lui peut expliquer nous qui ça, 7 esprits ça yo. En prophétie, nous connaissons comme qui ça comme signifie en prophétie. En prophétie, kon signifie puissance. Et donc, Jésus-Christ lui-même, étant agneau de Dieu, il gagne puissance, il est chargé à puissance. Eh bien, nous on parle de 7 yeux autour, c'est 7 esprits de Dieu. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants. Au milieu d'un vieillard, un agneau qui était là comme immolé. Il y avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Dans Zacharie chapitre 3, verset 9, et dans Zacharie chapitre 4, le verset 10, le prophète Zacharie lui-même, dans la vision, il était ce mystère de 7 yeux, ça. Pour Dieu, l'ange l'a expliqué à Zacharie que Dieu, c'est Dieu l'éternel qui a gardé sous toute la terre. Donc pour Dieu, c'est 7 yeux, c'est Dieu de l'éternel, il dit dans Zacharie chapitre 4, le verset 10. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué, il y a 7 yeux sur 7 seules pierres. Voici, je graverai moi-même ce qui doit être gravé, dit l'Éternel des armées, et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour. Zacharie 3, verset 9. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le nouveau dans la main de Zorobabel. C'est 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre.
Toutefois, mesdames, messieurs, chers amis, que agneau dans Apocalypse chapitre 5 verset 6, agneau qui c'est Jésus-Christ, il y a 7 yeux et il y a 7 cornes. Et dans Zacharie chapitre 4, il y a 7 yeux, c'est yeux de l'Éternel qui sur toute la terre. Donc l'Éternel lui-même c'est Jésus-Christ. Depuis l'Ancien Testament, il a toujours parlé nous de l'Éternel. Dans toute la Bible, il a parlé de l'Éternel. Dans le Nouveau Testament, il y a un nom qui c'est Jésus-Christ. Il y a un nom qui est différent qui signifie sauveur du monde. En plus, le monde pense que pourvu que vous pas connaître, vous pas connaître non Jésus-Christ dans l'Ancien Testament, pour vous-même Jésus-Christ c'est un autre monde, c'est pas l'Éternel. Allez dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Non. Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Qui donc, si enfant yo voye pour nous, qui c'est Jésus-Christ, petit garçon ça, qui vient faire parmi nous pour sauver nous, qui c'est Jésus-Christ, c'est lui-même qui nous parle de Père éternel, Dieu puissant, admirable, conseiller. Chers amis, pas de différence entre bon Dieu et Jésus-Christ. Pas de différence entre Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau Testament. C'est même Dieu. C'est même parole. Pas de différence entre paroles. Chers amis, nous souhaitons nous comprendre que la Bible elle-même, nous devons lire toute la Bible. Nous devons chercher à comprendre toute la Bible. Nous devons chercher à comprendre que l'alliance l'Éternel là, c'est une alliance éternelle parce que Dieu est éternel. Alliance lui fait, c'est une alliance éternelle qu'il y a. Puis, un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'Esprit de sagesse et d'intelligence. L'Esprit de conseil et de force. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Ésaïe chapitre 11, verset 1er, pour verset 2. Il bail nous sept caractéristiques que l'Esprit bon Dieu a lui-même gagné. C'est ça qu'il fallait parler de sept esprits de Dieu. Ce n'est pas sept esprits différents, mais c'est le Saint-Esprit qui gagne sept caractéristiques. L'entrée de la caillou, ou même, qui animé par le Saint-Esprit ou a bien cette caractéristique ça. On souhaitait que amis mio, frère Maxime mio, amis autour moi yo. On souhaitait nous comprendre. Prêtez attention bien les nous regarder vidéo parmi vous parce que vous gagne pile information là. Souvent mes vidéos à partager, c'est un moyen pour capable prêcher parole là. C'est un moyen tout pour ouvrir connaissance. Les connaissances ouvert, ou ouvrir connaissance l'autre. L'autre, et comme ça, nous tous avons connaissance à la parole de Dieu. C'est comme ça, nous avons pris dans, nous avons connaissé qui ça pour nous faire face aux difficultés. Parce qu'il y a des grandes difficultés qui viennent pour présenter devant le monde qui a suivi le Seigneur tout le monde. Oui. Pas suivre courant, pas suivre brigandage, chers amis, c'est pour nous suivre la parole de Dieu parce que la Bible, c'est l'équipe boussole qui a conduit nous vers le ciel. Partagez vidéo. Abonnez. Nous remercions aux amis ou même qui abonnent. Nous prenons plaisir pour nous. Et saluer et remercier toutes nos nouvelles abonnés, nous, les gens qui font abonner. Merci. Et vous encouragez nous à faire ça. Et nous-mêmes, nous avons encouragé tout. Nous avons cherché des informations pour vous. Nous avons cherché des bonnes formations pour vous dans la Bible. Parole bon Dieu. Pour être capable de conduire nous tous ensemble. Nous faire route là ensemble. Pour nous être capable de vivre côté que bon Dieu lui-même. Il a préparé pour nous. Pas oublier, nous avons un rappel pour vous. Dans Ésaïe chapitre 11, verset 1er et 2, il dit nous les sept esprits de Dieu. Et l'esprit ça a reposé sur Jésus. C'est même l'esprit ça qui a reposé sur Jésus. C'est lui-même, le Jésus-Christ lui-même, lui monter dans le ciel, lui promettre disciples, la voyer consolateur pour vous.
c'est le Saint-Esprit qui voyait. Et il montre nous dans verset 1 et Isaïe chapitre 11, là, verset 1 il montre aussi sur Jésus-Christ que cet esprit ça y est reposé. C'est l'esprit de l'Éternel absolu, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et esprit de crainte de l'Éternel. Jésus-Christ est un esprit absolu. Ou même, si vous avez Jésus, esprit ça doit être sourd. Si au passage, c'est que c'est pas le Saint-Esprit qui sourd, c'est l'autre esprit. Si ou pas intelligence, ou pas remettre des conseils, si ou pas de force, ou peur, ou prendre n'importe quelle pression, si ou pas de connaissance, et ou pas de crainte de l'Éternel, c'est pas l'Esprit Éternel là qui sourd, c'est l'autre esprit qui sourd. Et, chers amis, n'abdou ça. Chargez esprit de yon, chargez faux esprit de yon, chargez esprit malin de. Faire pile attention à la manifestation esprit yo pour nous pas prendre un esprit malin parce que esprit malin lui-même objectif lui c'est tromper petit bon Dieu c'est mener nous à la perdition montrer nous que Bible a pas d'importance montrer nous c'est pas ça qui est important là et tel verset pas pour nous tel ça pas pour nous c'est juste pour capable faire nous détourner des paroles bon Dieu chers amis qu'embé là Aristide qui vient ensemble avec vous. Nous aimons en plus.